我们的分析已经落入，这里跟刚才的空间站不一样，可是实打实天才俱乐部的地盘。好了，咱们出发吧，动作要快。错了，这是个诱饵信号。 空间站的是我不管，但敢挑衅我的人，我必当百倍奉还。欢迎光临，这里就是贝洛伯格历史文化博物馆。如你所见，整个博物馆室内现在已经焕然一新。不过，我们遇到了一些阻力，确切地说，是展品失窃了。 我看看，这些就是本案的嫌疑人吗？真难缠，多受无益。看剑，对待劲敌。 Salut à tous, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler évidemment du live 1.1 qu'on a eu ce matin pour Honkai Star Rail. Je le rappelle, la mise à jour est prévue pour le 7 juin pour ceux qui ne sont pas au courant. On n'a pas à l'heure actuelle l'heure exacte parce qu'effectivement on aura une maintenance juste avant, donc on verra bien à ce moment-là. Avant de démarrer, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça fait ultra plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de cette mise à jour en commentaire. Personnellement, je vais pas mentir, je suis assez surpris parce que, notamment, on a un bonus de connexion qui fait ultra plaisir par rapport à ce qu'il nous donne. Je trouve qu'au niveau des events, on en a pas mal aussi. Même si on va pas s'exciter parce que la plupart des events, c'est des petits trucs à faire un petit peu chaque jour, donc ça, c'est un petit peu dommage, mais on verra un petit peu une fois qu'on y sera. Premièrement, sachez qu'on aura une nouvelle zone, la zone du musée de Bellobox. C'est une zone permanente, donc elle n'est pas réservée à un event pour le coup. J'imagine qu'on aura quelques petits mobs, des petites énigmes, etc. Ça reste plutôt sympa d'avoir à chaque fois une mini-zone, même si elles sont pas bien grandes, au moins ça peut occuper un petit peu. Pour la phase 1, on aura comme nouveau personnage Silver Wolf, elle sera dans son portail évidemment, elle est de la voie de la nihilité et de type quantique, sachez qu'elle pourra faire pas mal de petites choses en jeu, on en reparlera dans sa vidéo dédiée. Je ne vais pas reparler de tout ce que font les personnages parce qu'effectivement vous aurez des vidéos sur les portails, sur les persos, les guides, etc. Donc c'est pour éviter de me répéter. Au niveau des 4 étoiles qui accompagnent Silver Wolf, on a Asta, Dan Heng et Serval. C'est vrai qu'au niveau des 4 étoiles, c'est un petit peu moins intéressant parce que Asta est un très bon support, vous le savez, personnellement je la défends un petit peu, je l'ai déjà montré dans mon guide notamment. On ne l'a jamais vu en tant que tête d'affiche, donc ça reste un point très positif, surtout que ses doublons sont très intéressants. Dan Heng, c'est un petit peu moins bien, même si ça restera cool de le doublonner, je sais que vous êtes pas mal à le jouer, et Serval pareil, c'est un personnage qui peut servir si vous n'avez pas d'autres types électro, mais ça reste un petit peu moins alléchant en tant que 4 étoiles. Pour la seconde phase, on aura le portail de Lyocha, un nouveau personnage de la voie de l'abondance et de type imaginaire, si vous n'avez pas de type imaginaire, ça peut vous servir un petit peu, notamment pour briser les shields. En tant que 4 étoiles, on aura Yukong, qui est un nouveau 4 étoiles de la voie de l'harmonie et de type imaginaire. Elle va pouvoir buff pas mal, faudra voir ce qu'elle donne directement à ce moment là parce qu'on n'a pas les pourcentages etc, vous le savez, mais en tout cas c'est vrai qu'actuellement elle a l'air très cool et avoir un nouveau 4 étoiles dans un portail ça reste un point très positif. Second 4 étoiles mis en avant, Pella, c'est un petit peu plus chaud parce que si vous avez invoqué sur scellé vous avez déjà potentiellement pas mal de doublons dessus, c'est mon cas, personnellement je l'ai doublon 6 donc je dois avouer que le portail de Lyocha je comptais pas trop y toucher, bah là je vais pas y toucher du tout à cause de ça. Et pour Yukong, eh bien malheureusement, je vais attendre un petit peu. Il y a des rumeurs comme quoi on aurait une copie du personnage en 1.2, mais c'est pas confirmé actuellement. Ça viendrait du live en lui-même, mais vu qu'on n'a pas la version anglaise, c'est un petit peu compliqué de savoir si c'est vrai
ou pas. Troisième 4 étoiles, Shing-She. Je sais que ses doublons sont très intéressants. Par contre, c'est pas vraiment celle qui me fait vibrer, on va dire. C'est vrai que ça ne m'intéresse pas du tout. Personnellement, je ne la joue pas. Et je pense qu'on est pas mal de joueurs, justement, à ne pas l'avoir monté. Donc, c'est vrai que au niveau des 4 étoiles, on a Yukong en tant que bon 4 étoiles. Pella, pareil. Mais si vous avez invoqué sur Scellé, c'est compliqué. Et Shing-She, malheureusement, je pense que c'est pas celle où les gens vont se dire, ok, elle est dispo dans ce portail, donc il faut que j'invoque malheureusement. On va maintenant passer aux events avec le premier qui concerne Silver Wolf. Il sera disponible dès la sortie de la mise à jour. Ça, c'est très cool. Je sais que sur Genshin notamment, parfois tu dois attendre pour avoir les events, et bien là, ça sera dispo direct. Il se terminera le 19 juin, et ce qui est bien, c'est qu'au niveau des récompenses, on a déjà un cône de lumière 4 étoiles. C'est un cône de lumière qui va être très utile sur Silver Wolf si vous la poulez, et dans tous les cas, ça fait toujours une arme 4 étoiles gratuite, donc on la prend avec plaisir. On aura déjà de Stellar à récupérer, ainsi que des matériaux, notamment pour augmenter les traces, etc. C'est plutôt sympa en soi. L'event consistera à photographier des tags ou bien des stickers qui seront sur les murs, et je crois qu'après, vous pourrez même prendre des photos si ça vous intéresse. Personnellement, je vais pas vous mytho, les photos sur les jeux, c'est quelque chose dont je m'en fiche complet, mais je sais que certains aiment bien faire ça, donc écoutez, si jamais c'est votre cas, eh bien ça peut vous faire plaisir. Le deuxième événement de cette mise à jour concernera le musée, effectivement, autant en profiter vu que c'est une nouvelle zone, on aura un espèce d'événement où en gros, si j'ai bien compris, on doit s'occuper de la gestion du musée. Ici, on ne sera pas sur un event avec des fights, etc. Si j'ai bien compris, on devra simplement envoyer nos personnages au travail, je crois que c'est un délire pareil de ce que j'ai compris. Encore une fois, on pourra avoir pas mal de matériaux, dont une couronne, et on aura aussi de quoi automodeler une relique, ça reste très intéressant pour farmer un petit peu après. Cet event sera disponible du 9 juin au 26 juin, donc encore une fois on est sur la phase 1 de la mise à jour. Le prochain event est un event qui va faire ultra plaisir aux joueurs, étant donné qu'on va avoir un drop x2 sur les calices dorés et les calices pourpres. Actuellement, on ne sait pas combien de runs est-ce que ça concerne par jour, parce que effectivement, à mon avis, ça ne sera pas toute la stamina dans la période, on aura simplement peut-être 3-4 runs par jour qui te donneront deux fois plus de matériaux. Je le rappelle, les calices dorés vous permettent de récupérer des crédits, de l'XP de personnage et de l'XP de cône. Concernant les calices pourpres, ils vous permettent de récupérer des matériaux de traces. Je sais qu'on est énormément à en avoir marre de farmer, parce que effectivement, c'est très 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 long de monter les personnages. J'ai déjà fait des vidéos pour parler de tout ça, beaucoup de gens étaient là en mode « Ouais mais non c'est normal, faut pas rush le jeu et tout ». Dites-vous que si c'était si normal, on n'aurait pas d'event x2 comme ça. Ça sera disponible du 10 au 17 juillet, à voir évidemment le nombre de runs, mais dans tous les cas, ça fait très très plaisir. Le quatrième event sera un event marchand, il sera disponible du 19 juin au 3 juillet. En gros, en quoi concerne l'event, on devra récupérer des matériaux en battant des mobs, etc. pour les apporter à un personnage. Chaque jour, on aura très certainement des matériaux différents à aller récupérer. Et du coup, en lui apportant ça, il nous donnera déjà de Stellar ainsi que différentes ressources. Je le rappelle d'ailleurs, dans cette mise à jour, on aura une petite feature qui nous permet de voir où sont les mobs par rapport aux matériaux que l'on recherche exactement. Donc c'est cool d'avoir ça, ça permet de faciliter un petit peu la vie des joueurs pour le coup. Cinquième et dernier event de cette mise à jour, on pourra combattre des vagues de mobs. Apparemment, c'est un event qui était disponible dans l'une des bêtas. N'hésitez pas, si jamais vous avez testé, à me dire si il était compliqué ou pas. De ce que j'ai entendu dire, ça a l'air assez facile tout de même. Il sera disponible du 18 juin au 10 juillet. Comme d'habitude, on aura déjà de Stellar et différentes ressources dedans. Ça reste assez classique. Ce qui est bien, c'est que, l'air de rien, on a 5 events sur la première mise à jour. Même si j'imagine qu'on devra attendre à chaque fois le lendemain pour participer à la suite des events, ça reste très cool, 5 events sur la première mage en vrai. Personnellement, je dois avouer que je suis assez surpris parce que je ne m'attendais pas à avoir autant. Concernant maintenant l'histoire, parce que effectivement, peut-être que certains d'entre vous se disent, ok, est-ce qu'on va avoir la suite du mode histoire ou pas? Apparemment, ici, on n'aura pas de quête principale, mais on aura des quêtes de compagnons qui correspondent finalement aux quêtes secondaires du jeu. C'est d'ailleurs pour ça que dans le trailer du début, on a vu quelques petites phases avec Beilu, avec Luocha, avec Yangqing et avec Silver Wolf. Dans tous les cas, dites-vous que les quêtes risquent d'être très intéressantes pour ceux qui s'intéressent un petit peu plus au lore. Ça vous donnera tout de même différentes récompenses comme des jets stellaires, des livres d'XP, très certainement de l'XP de pionnier. Et dites-vous que certaines quêtes secondaires sont assez longues dans le jeu, dans le sens où elles sont en plusieurs parties, donc l'air de rien, même si on n'a pas de quête principale, je pense que ça devrait pas mal nous occuper. Je crois que ça avait déjà été annoncé, mais sachez qu'on aura un chat in-game pour pouvoir parler avec nos amis directement. J'espère que dans les prochaines mises à jour, on aura justement un petit peu plus d'aspects coop,
communautaire, etc. Parce que c'est vrai que pour le moment, on n'a rien du tout, mis à part le fait d'emprunter finalement un personnage d'un ami pour faire certains combats. Mais le fait qu'il y ait un chat in-game, je me dis qu'à tout moment, eh bien, on va pouvoir s'inviter dans les montres les uns des autres ou bien faire des combats ensemble. Pour terminer, on a eu l'annonce d'un bonus de connexion qui va nous permettre de récupérer une multi-invocation sur le portail temporaire. On récupérera quelques tickets chaque jour pendant 7 jours. Il sera disponible dès le début de la mise à jour jusqu'au 18 juillet. En vrai, une multi-invocation, ça fait plaisir parce que sur Genshin Impact notamment, on a une multi à l'anniversaire et on a une multi quand il y a le Festival des Lanternes, donc je crois que c'est en février ou quelque chose comme ça, ou en tout cas la mage qui est pas loin de février. Ici, première mise à jour du jeu en soi, hop, ça nous offre une multi. J'imagine qu'on n'aura pas ça à chaque fois, mais au moins on l'a ici. Merci Oyoverse, ça fait plaisir. Concernant les codes qui sont distribués pendant le live, sachez qu'on n'a pas encore les codes pour la version européenne ou bien la version US, donc je vous les mettrai en commentaire épinglé quand ça sera disponible, mais dites-vous qu'il va falloir attendre qu'on ait le live anglais. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette mise à jour, c'est vrai que personnellement je suis assez surpris, parce que je m'attendais pas à avoir autant d'events, à avoir déjà justement un petit event qui nous propose d'avoir des matériaux x2, etc. Le bonus de connexion qui donne des tickets, pareil, c'est vraiment le truc inattendu. À aucun moment je me suis dit, ok, Oyoverse, ils vont nous donner une multi dès la première mise à jour, mais effectivement, c'est le cas ici. Sur ce, je vais vous laisser là, portez-vous bien comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ciao, ciao !